offre un rubrique que j'appelle WhatsApp News. WhatsApp News. Vous allez voir, je vais vous passer quelques vidéos enseignants, enseignantes, instruisantes, marrantes, rigolo parce que je suis pas un religieux. Dans les réseaux, je suis très présent dans les réseaux. Sur TikTok, je suis là, sur Facebook, mariage heureux sur TikTok, mariage heureux sur Facebook. Ça cartonne très fort. Bientôt, j'atteins 1 million d'abonnés sur TikTok et sur Facebook. Ça décolle fort. Et dans 6 mois, j'ai gagné plus de 100 000 abonnés. 5 mois à peu près. Pour vous dire, mariage heureux. Allez-y voir. Donc, j'ai choisi quelques vidéos pour écouter un peu ce que les autres disent. Et après, nous cas. Passer à la parole de Dieu. Regardons un peu. Voilà. Le GPS, c'est elle. Le GPS que l'on utilise tous les jours dans notre voiture. C'est elle qui l'a créé. C'est une femme. Elle est noire. Elle est américaine. Descendante d'esclaves. Issue d'une famille d'agriculteurs. C'est Gladys West, 93 ans. Cette mathématicienne a été embauchée en 1956 au Naval Surface Warfare. Et c'est là qu'elle a mis au point le système de données et d'analyse par satellite. Le satellite GeoSat, c'est elle en 1986. Actuellement, elle vit toujours en Virginie et à son âge, elle termine un doctorat. Elle a finalement reçu la reconnaissance qu'elle mérite en étant intronisée au temple de la renommée des pionniers de l'espace et des missiles de l'armée de l'air par l'armée de l'air américaine lors d'une cérémonie tenue au Pentagone juste inspirant. Tu vois, toi jeune femme noire, ta place n'est pas seulement dans le divertissement. Prends l'exemple sur Madame Gladys West. Là, nous avons des voleurs qui sont venus braquer une église. Gardez-moi passer là qu'à prêcher. Ah, les braqueurs sont là. En Afrique du Sud. Aïe, aïe, aïe. Po. Ces gens-là ne respectent plus rien. Regardez-moi ça. Tous les fidèles par terre. Il n'y a plus de respect de la présence de Dieu. Regardez-moi ça. Avec le fusil, hein. L'insécurité totale. Yoka dit, pas ni insécurité en Guadeloupe, pas ni sécurité en Guadeloupe. Gardez-moi la vraie insécurité, c'est ça. Gardez-moi ça. Voilà, il réveille le pasteur. Ah, parce que la pas ni foi, hein. La foi est partie. Mais c'est pas ni foi. Ah là 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 là. Prière journalière avec Bishop Eli. La musique, la louange, l'adoration sur onction.com. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière. Sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne ratez pas un jour, tous les jours, à 8h30 heure des Antilles et à 9h à 13h30 R de Paris. Le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Dites: Seigneur, parle, ton serviteur écoute.
Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. Ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Vos autres répandis, produisez le fruit digne de la repentance. Des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu, la Bible, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis vraiment très contente d'être à nouveau parmi vous. Je reconnais la grâce du Seigneur, je reconnais sa bonté encore aujourd'hui qui me permet de me tenir devant vous. Béni soit Dieu, béni soit le Dieu vivant, béni soit le Dieu d'éternité qui nous accorde ces instants ensemble, car vous me recevez, parfois c'est le Bishop Elie, parfois c'est la sœur Marie-Claude et d'autres. Vous nous recevez chez vous. Vous nous écoutez, vous prenez le temps de nous écouter, d'écouter ces choses au sujet de la parole de Dieu que nous vous annonçons, que nous vous présentons, que nous vous apportons. Et cela avec joie, avec gratitude. J'insiste sur la gratitude parce que c'est de cela que nous allons parler. Mais avant, nous allons prier que le Seigneur nous conduise dans ce temps de partage, dans ce temps d'encouragement et d'exhortation, que son nom à lui seul soit glorifié. Vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants, je suis reconnaissant. Je dis nous parce que je crois qu'il y en a qui sont aussi reconnaissants, qui sont joyeux de pouvoir regarder ce programme. Béni sois-tu, Seigneur, de nous accorder ces instants dans ta présence. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut ce moment avec toi, alléluia, que mille ailleurs. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que ton esprit, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, vienne nous soutenir, nous conduire et nous assister durant ces instants. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia. Je proclame en ce jour la victoire de la croix sur toute puissance d'incrédulité, sur toute puissance occulte, sur toute puissance d'opposition à ce programme, à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ qui couvre et lave chaque internaute, chaque téléspectateur et moi-même. Merci pour ta grâce, ton amour, ton pardon, ta fidélité et ta miséricorde, Seigneur. Merci d'insuffler une foi, alléluia, suffisante pour chacun de nous, en chacun, Seigneur, pour saisir le miracle tant attendu, pour saisir ce mieux-être tant espéré dans la vie de chacun. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Grâce et gloire soient rendues à Dieu. Oui, je disais la gratitude, la reconnaissance. Nous avons besoin de nous attarder sur ces mots, sur ces termes. Nous en avons besoin. Que constatons-nous aujourd'hui? Et Dieu nous a avertis dans sa parole que l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Nous vivons un siècle où les gens, les personnes ont peur même d'aider. Ils ont peur d'aider celui qui est en danger. Ils ont peur d'aider celle qui se fait agresser par peur de représailles ou par peur au final, en portant secours, d'être soi-même agressé et de mourir même. Les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur, voilà. La peur frappe ce monde et elle s'exprime avec un langage différent au travers des situations que nous voyons, que nous vivons ou des nouvelles que nous entendons. Parfois, nous entendons des mauvaises nouvelles et qui veulent susciter dans notre cœur la peur. Mais il y a un antidote à la peur. Il y a un antidote aussi à la plainte. Cette plainte constante, cette insatisfaction qui se trouve dans l'homme, qui se plaint, qui souhaite toujours plus, qui ne se rend même pas compte, pas, je dirais pas toujours, parce que certains s'en rendent compte, mais je parle pour ceux qui ne se rendent pas compte ou qui ne se rendent pas compte de manière irrégulière, qu'ils expriment une forme d'ingratitude. Cette insatisfaction est une forme d'ingratitude. Parfois, elle amène des lamentations dans les cœurs. Hein, on parle de pite aiguë même. S'apitoyer sur son sort. Avoir l'impression qu'au travers de situations difficiles vécues, rencontrées, que le monde nous est tombé sur la tête, que le monde s'écroule sur votre tête. Je vous donne un antidote. C'est la reconnaissance. C'est la gratitude. Comment pourrions-nous définir la gratitude? Gratitude et reconnaissance, c'est la même chose après tout. La gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux exprimé, hein, ressenti et exprimé envers un bienfaiteur. Si nous nous arrêtons juste en réalisant cette définition au sujet de la gratitude. Sommes-nous tous véritablement et tous les jours, à chaque instant dans la gratitude? Nous nous rendrons compte que non, pas toujours. Parfois, c'est humain. Hein. Cette chair, ce corps dans lequel nous vivons, nous communique des sentiments, des émotions. Ça, c'est dans le registre de l'âme. Nous sommes un être esprit dans un corps de chair. Donc cette chair va parler, elle va nous exprimer qu'elle a mal, elle va nous exprimer des ressentis. Parfois, nous allons pouvoir les détecter. Parfois, nous pourrons mettre un mot sur ces ressentis et parfois non. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre un mot sur un ressenti. Si tu arrives aujourd'hui, sois même reconnaissant, sois même dans cette gratitude. Parce que mieux se connaître permet de mieux vivre et de mieux vivre avec aussi les autres. Mieux se connaître permet aussi d'être dans la gratitude et de pouvoir avancer. Mieux connaître aussi ce Dieu qui t'a fait te permet aussi de vivre mieux et dans cette gratitude. La gratitude précède nos bénédictions, nos exaucements. Je veux dire, sois reconnaissant en tout temps. Sois dans la gratitude en tout temps. Soyons dans la gratitude en tout temps. Si je veux donner un thème à cet encouragement aujourd'hui que nous partageons, c'est vraiment sois dans la gratitude en tout temps. Sois reconnaissant en tout temps, en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu et nous allons le voir ensemble. Nous allons le voir ensemble. Vous voyez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et même à 18, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Vous allez me dire, ce n'est pas aussi simple.
Si nous comptons sur nous-mêmes, je dirais que non. Si nous tournons nos regards vers le Seigneur, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Vous savez, je pense que véritablement, c'est un entraînement qui nécessite la foi en Dieu. Pour y arriver, il faut vraiment fortifier sa foi quotidiennement. Ce sera un exercice aussi de pouvoir le faire. Je disais souvent à des personnes, parce qu'on me l'avait appris aussi, n'hésite pas à te mettre face à un miroir et souris. Commence par sourire et après déclare des choses positives et qui apportent vraiment l'excellence, la vision de l'excellence, la vision du mieux, du meilleur, du mieux-être dans ton cœur, dans ta vie. Regarde-toi dans un miroir et souris. Vous savez, le psalmiste nous a donné un exemple. « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Combien ne s'estiment pas? Nous en avons parlé récemment. Combien ne s'estiment pas? Dieu ne ment pas à sa parole. Il y a du bon en toi. Estime-toi, valorise-toi. Reconnais cette grâce que Dieu t'accorde. Voilà, soyez toujours joyeux, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Priez sans cesse. Vous savez, c'est un entraînement qui s'acquiert donc dans la prière et dans la parole de Dieu. La reconnaissance, cette joie qui va être un effet, un des effets de cette attitude de reconnaissance, va être vraiment manifestée sur notre visage, la joie. Vous savez qu'on dit qu'il y a plus de muscles internes qui travaillent lorsque nous sommes en colère, hein, contrariés, que lorsque nous sommes dans la joie. La peine, la colère vont aussi impacter, toucher les organes comme l'appareil digestif, les poumons et même les reins. La colère et la tristesse. Mais le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que nous soyons donc dans la reconnaissance. Toujours joyeux. Dieu veut que tu sois joyeux. Quoi que tu vives, Dieu veut que tu sois joyeux. Dans son désir pour tous ceux et celles qui croient en lui, est d'avoir une foi centrée sur lui en toutes circonstances. Une foi ferme. Une foi sans défaillance. Une foi donc qui ne défaille pas. Jamais. Et il nous faut un entraînement. Il nous faut nous exercer à prier. Il nous faut nous exercer au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, saisir la vision de Dieu. Cela est réservé vraiment aux enfants de Dieu qui ont dit oui à Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour toujours, jusqu'à son retour et jusque dans l'éternité. Dieu donne son esprit pour comprendre les choses qu'il dit dans sa parole. Et l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de réconfort, le merveilleux conseiller, l'esprit de révélation va ouvrir, élargir notre vision sur les choses. Notre regard porté sur les choses va être élargi par Dieu. C'est une intervention surnaturelle. Nous pouvons en parler. Nous pouvons en parler, certaines personnes ne vont pas toujours nous comprendre là-dessus. Mais c'est une intervention surnaturelle. Poursuivons ensemble notre partage du jour. Dieu veut que tu sois reconnaissant, Dieu veut que je le sois également. Vous savez, il est plus facile de nous plaindre que de nous réjouir face aux situations difficiles. Et pourtant, le livre de Jacques nous le dit.
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. C'est formidable lorsque nous commençons à acquérir de la patience au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, que nous marchons, que nous collaborons avec Dieu, que nous plaçons notre confiance en lui, que nous lui parlons, que nous nous confions en lui. Alors oui, nous pouvons acquérir la maîtrise de soi, le contrôle, on dit le self-control, maîtrise de soi. Tempérance, patience, bonté, loyauté, fidélité, toutes ces valeurs hein, qui se trouvent dans le Seigneur sont accessibles. Le Seigneur les nomme fruits de l'esprit, par opposition aux œuvres de la chair. Mécontentement, excès de table, ivrognerie, et j'en passe. C'est possible avec Dieu. Mon encouragement est dans ces temps difficiles, ces jours mauvais, comme Dieu les qualifie dans sa parole, et de faire confiance à Dieu. Je connais des personnes qui ne parleraient pas de Dieu, mais qui parlent aujourd'hui de Dieu. Des personnes qui étaient loin des choses qui ont attrait à Dieu et à sa parole, et qui reconnaissent, oui, je crois en Dieu. J'ai besoin de son toucher. J'ai besoin de comprendre les choses avec lui. J'ai besoin de faire les choses avec Dieu. Et cela, bon nombre d'entre nous sommes passés par ce processus, un processus. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tôt ou tard, nous recherchons à comprendre le but de notre existence. Tu n'es pas venu sur cette terre simplement pour vivre, faire des choses, comme je dis, il y a différentes étapes que nous mentionnons comme étant des étapes de succès dans la vie, et mourir. Tu es le choix de Dieu. Dieu nous a fait pour lui. Dieu nous a fait pour lui avec des capacités. Même là, hein, cela constitue de la reconnaissance à manifester envers lui. Vous savez, même la respiration que nous avons. Dans Actes 17, verset 28, il est écrit « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. » Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Sois reconnaissant pour toutes ces choses que tu lui as demandées et qu'il t'a accordées. Nous n'allons pas tout comprendre du jour au lendemain. Il y a des choses que nous allons comprendre avec le temps. Ça va même peut-être prendre du temps, des mois, des années, pour comprendre pourquoi nous sommes passés par certaines situations. Mais la parole de Dieu est là pour nous réconforter. Et même dans les temps de douleur, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, pourquoi? Parce que Dieu le dit. Considère cette difficulté comme étant un enseignement qui va te conduire dans une bénédiction prévue par Dieu. C'est un chemin qui conduit vers une bénédiction. Il y a un enseignement positif à saisir. Et parfois, il faudra faire taire. Il faudra faire taire l'agitation dans notre cœur. Il faudra faire taire la panique dans notre cœur. Dieu nous donne tellement d'exemples où il nous dit, il nous enseigne à rester calme, à ne pas promener des regards inquiets. Combien de fois les disciples étaient avec Jésus? Pourtant, ils vivaient tout le temps avec Jésus, qui communiquait la foi, le langage de la foi, l'attitude de la foi. Mais combien de fois ces disciples ont manifesté de l'inquiétude, de la panique? Et ce sont des choses qui nous arrivent. Ces faits ont été relatés dans la parole de Dieu pour nous montrer que nous, humains, nous sommes confrontés à
ces choses également, ces ressentis, ces attitudes, nous les manifestons également face aux situations difficiles. Mais il y a une, voire des attitudes que Dieu veut nous inculquer, que Dieu veut que nous ayons. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix, lorsque nous ferons toutes ces choses, il y a une conséquence agréable que Dieu permettra. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je veux le reprendre encore pour nous. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Vous allez me dire « Mais cela est plus facile à dire qu'à faire ». C'est difficile si on s'appuie sur soi, mais si on se concentre sur Dieu, si on se concentre sur ce que relate sa parole, si on se concentre sur des témoignages qu'on entend. Vous entendez des fois des personnes qui ont manifesté la foi. D'ailleurs, il faut chercher à entendre des témoignages. Il faut se rendre en alerte. Il y a des personnes qui manifestent une foi honnête et sincère en Dieu et qui peuvent vous témoigner que oui, elles ont placé leur confiance, elles ont manifesté de la reconnaissance, elles ont pratiqué la parole de Dieu et elles ont vécu aussi la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu dans leur affliction, dans ce qu'elles traversaient. Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Réfléchissons bien sur ce verset. Si nous le mettons en pratique tous les jours, nous serons réellement dans cette gratitude que Dieu veut pour nous et qui va maintenir et voir renouveler en nous une joie qui va se communiquer. C'est lorsque nous cessons de pratiquer cette vision de Dieu que des sentiments à leur contraire émergent en nous et nous enveloppent. Vous allez me dire, oui, c'est humain, on a été choqué par une mauvaise nouvelle, mais l'Esprit de Dieu veut, après quelques instants, rétablir la vision de Dieu en nous, de se confier en lui, de ne pas s'inquiéter, parce que lui, il est là. Il est le garant. Si il est devenu ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il est le garant de ta vie. Il tient ta vie dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il est le garant de notre vie. Il prend soin de nous. Il est dit, comme David le disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Un berger veille sur ses brebis. Un berger surveille. Il veille, mais il surveille. Il les observe avec beaucoup de soin. Il les observe avec une grande attention. Il a ce désir qu'aucune ne manque de quoi que ce soit. C'est la nature même de notre Dieu. Lui qui a créé l'être humain, qui peut exercer ce métier d'être berger, de s'occuper, d'être dans l'agriculture, d'être dans tous ces métiers qui sont formidables au contact de la nature et des animaux. Si Dieu lui-même a créé l'homme, et si dans sa parole, il nous parle qu'il est le bon berger, pour nous, nous devons le croire. Nous devons saisir cela dans notre cœur. Et tous les jours, la foi, quelque part, c'est accepter de marcher avec Dieu, de suivre Dieu de manière aveugle. On ne se pose pas de questions. Pour les humains, on doit se poser des bonnes questions lorsqu'on doit s'engager avec quelqu'un pour faire des affaires, un business quelconque, ou même
vivre avec cette personne sur un plan sentimental, donc être en couple, se marier, on doit se poser les bonnes questions avant. Oui, on doit prier et se poser les bonnes questions. Mais avec Dieu, il n'y a pas à se poser de bonnes questions. C'est simplement « je suis ». Je te suis, Seigneur, je te fais confiance. J'accepte de te suivre et de te faire confiance. Tu sais toutes choses d'avance. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu connais le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui as créé toutes ces belles choses que mes yeux voient. Tu as même donné une intelligence spéciale à l'homme pour concevoir, créer des choses. Si je considère même les habits que je porte, c'est vrai qu'on va entendre parler de tendance que les machines remplacent les hommes, mais l'homme a pu créer quand même ces choses. L'homme a fabriqué, il a utilisé, il a créé des machines, oui, pour pouvoir faire. Et ceux aussi qui savent le faire dans leurs propres mains, c'est Dieu qui a donné cette capacité. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui. Toutes tes capacités, toutes mes capacités, et nous ne les connaissons pas toutes, nous apprenons à les connaître. Parfois, ce sont les autres qui sont près de nous qui verront que nous avons une, voire des capacités précises, spécifiques, qui peuvent aider dans un domaine particulier. Oui, c'est avec ces capacités que tu peux aller travailler dans tel ou tel corps de métier ou rendre des services à des personnes qui t'entourent. Cela vient de Dieu. Donc, reconnaissance. Gratitude. Colossiens chapitre 4, verset 2 dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Persévère dans la prière. Tu vas apprendre la gratitude en louant Dieu pour ses bienfaits, ce qu'il a fait. Tout ce qu'il t'a accordé, tout ce qu'il te donne aussi dans le présent. Et il y a aussi le langage de la foi à avoir en lui adressant, en lui exprimant aussi de la reconnaissance pour les choses que tu espères voir dans ta vie et dans celle des autres qui t'entourent. Il y a une espérance qui est là, qui va être renouvelée. Béni soit Dieu. Et cela, c'est lorsque tu vas exprimer ta gratitude dans la prière. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour la famille que tu m'as donnée. Je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Je te remercie pour ces études que je peux entreprendre, cette formation. Je te remercie pour les succès accordés dans le passé. Je te remercie pour ces succès aussi que tu vas m'accorder. Parce que dans ta parole, tu m'as dit, tu m'as déclaré béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles que tu as prévues pour moi dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, tu m'as dit que si je cherche à t'être agréable, alors je peux déclarer, revendiquer mon héritage. Cet héritage passe aussi, cet héritage inclut la réussite dans ce que j'entreprends. Alors je te fais confiance, je réussirai dans ce que j'entreprends. Pour ta gloire. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Nous tous enfants de Dieu, vous tous enfants de Dieu, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, il y a une paix que Dieu désire pour ses enfants, pour tous les croyants. Cette paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Il y a tellement de divisions dans le corps de Christ aujourd'hui. Dieu nous a appelés à former un seul corps. Que cette paix règne dans notre cœur. Et Dieu nous dit, Dieu nous ordonne, soyez reconnaissants. Voyez là encore, on parle de reconnaissance. Dieu parle beaucoup de la reconnaissance, de la gratitude dans sa parole. Colossiens chapitre 3 verset 17 « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Amen. Dans le psaume 9 verset 2 « Je te louerai éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Il y a ce chant que l'on chante, ce que l'on prend souvent dans nos églises.
Je louerai l'Éternel. Ma force est ma forteresse. Je louerai l'Éternel. Et même je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Et il y a aussi « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. » Voilà, ce sont des chants que l'on prend. Ce sont des chants que tu peux prendre dans ta prière même personnelle. Et tu verras cette reconnaissance être renouvelée en toi. Vous savez, il y a aussi l'exemple de Paul et Silas qui aimaient parler de la résurrection de Jésus qui était à venir durant leur époque. Ils partageaient la foi en Jésus, ils partageaient, ils parlaient du salut, ils parlaient, ils annonçaient la repentance qui devait arriver dans les cœurs, qui devait être dans les cœurs. Mais vous savez, il y en a qui recevaient ce message avec gratitude, avec conviction, avec foi et qui les suivaient. Mais il y en a aussi les religieux qui se sont opposés à Paul et Silas. Ils ont été mis à l'écart, on en parle dans le livre de Actes, chapitre 16. Ils ont été flagés, roués de coups, on les a emprisonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment, ils étaient dans la douleur, dans le rejet, dans la trahison, dans toutes sortes, je dirais, c'était un problème, c'était une difficulté de taille. Alors qu'ils étaient en train de faire du bien. Annoncer la parole de Dieu, annoncer Christ, annoncer ce Jésus qui devait passer par la mort et la résurrection et qu'il était bon de croire en lui. Ils étaient en train d'annoncer l'amour de Jésus, Jésus lui-même, mais ils ont été mis à l'écart, ils ont été persécutés, ils ont été roués de coups et c'est leur louange qui les a délivrés dans la prison. Et qui a aussi délivré tous les prisonniers qui étaient autour d'eux. Le fait de manifester notre reconnaissance, ta louange dans la difficulté, ta louange aussi lorsque tout va bien, parce que nous sommes tentés de nous relâcher lorsque nous vivons des moments de calme. C'est là aussi qu'il faut manifester ta reconnaissance envers Dieu. Lorsqu'il y a des moments de calme, où tout va bien, il n'y a aucun problème. Aucune difficulté ou des petites difficultés que nous dirons, que nous qualifierons d'insignifiantes. Rends grâce à Dieu, loue Dieu. Loue-le aussi dans la tempête, en te rappelant qu'il l'a fait dans le passé. Il est le Dieu qui intervient dans ton présent et qui interviendra encore dans ton avenir, qui a prévu des projets. Dieu dit dans le livre de Jérémie qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Béni soit Dieu. Jonas, vous connaissez Jonas. Jonas qui a voulu résister à faire la volonté de Dieu là où Dieu l'avait envoyé. Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 10. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Colossiens chapitre 3, encore Colossiens chapitre 3, il y a de bons versets là dans ce passage, dans ce chapitre. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, comme nous sommes en train de le faire, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen.
2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous dit « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » On doit être dans cette vision, que l'amour de Dieu augmente de plus en plus dans notre cœur, les uns vis-à-vis des autres. On doit être dans cette vision du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire en tout temps. Voilà pourquoi nous devons prendre courage. Quels que soient les temps, les circonstances que nous traversons, peu importe ces mauvaises nouvelles que nous entendons au sein des autres pays et nations, prenons courage, gardons courage. Fortifions notre cœur dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la reconnaissance. Et Dieu nous dit, avec une entière persévérance, il y a un désir de notre Dieu, lorsque nous avons cette attitude, de bénéficier de la paix dans notre cœur, de la joie, d'une conviction forte, d'une assurance ferme, forte, que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. Parfois, nous allons ressentir d'une lassitude par rapport à une situation, mais Dieu va nous relever. Il va utiliser des personnes autour de vous. Il va utiliser des personnes autour de nous. Il le fait. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que son nom soit béni et glorifié. Sois reconnaissant en tout temps. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Soyons dans la gratitude en toutes circonstances. Je veux prier en terminant ce partage que Dieu soutienne chacun de nous face aux défis de la vie. Il y a des défis autour de nous. Il y en a que nous avons réussi par la grâce de Dieu à vaincre. Nous avons pu vaincre ces défis. Nous avons pu remporter la victoire sur des batailles, des difficultés. Si nous avons réussi dans le passé, nous réussirons encore aujourd'hui et demain. Parce que Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux prier pour chacun. Seigneur, Père éternel, béni sois-tu encore pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Des moments privilégiés. Des moments cruciaux aussi, Seigneur, pour fortifier notre courage et notre confiance en toi. Que cette confiance soit de plus en plus renforcée. Alléluia. Que cette confiance augmente de plus en plus en toi, ô notre Dieu. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, qui sont prêts d'abandonner, qui ont même des pensées suicidaires, des pensées de découragement, de déprime, de dépression, d'abattement. Alléluia. Seigneur, je te prie afin que tu relèves toutes ces personnes qui suivent ce programme, qu'elles soient fortifiées, que leur tête soit relevée, que ton esprit vienne, Seigneur mon Dieu, ô Père, les visiter au plus profond de leur cœur, dans les profondeurs de leur âme, de leur esprit, de leur entendement, de leur conscience. Que ces personnes soient relevées. Père, tu sais comment t'y prendre de manière tangible. Tu sais comment t'y prendre afin que tous soient fortifiés. Que tous ceux qui crient à toi te chantent, proclament et célèbrent tes bontés, tes hauts faits, tes bienfaits. Qu'ils expérimentent cette paix que tu veux pour nous, tes enfants. Qu'ils expérimentent toute cette paix, Seigneur. Alléluia. Que tu veux pour ceux qui placent leur confiance en toi. Je déclare la victoire de la croix dans chacune de vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié, sois encouragé, relève les mains, relève la tête et avance avec Jésus pour appui. Tu ne seras pas déçu. Les hommes peuvent décevoir, mais pas Dieu, pas Dieu. Il suffit simplement de lui faire confiance. Et il nous enseigne les choses pas à pas. Il nous aide à comprendre les choses petit à petit, pas à pas, progressivement. Que son nom soit loué et béni. Je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien.
dans la grâce, la paix, la joie de notre Seigneur Jésus. À bientôt. Prière journalière avec Bishop Eli. La musique, la louange, l'adoration sur onction.com. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne ratez pas un jour, tous les jours, à 8h30 heure des Antilles et à 9h à 13h30 heure de Paris. Le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Dites, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. Ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Produisez le fruit digne de la repentance. Ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Nous t'accueillons, Emmanuel, au milieu de nous. Nous t'accueillons.
Saint-Esprit, viens, nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Je t'adore, je t'implore.
te donne.